À l'initiative du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA, les villes de Korogo, Yamoussoukro et Abidjan ont abrité des ateliers de partage des résultats des projets financés par le Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable, FSIAD, mis en œuvre par le FIRCA dans le cadre du deuxième contrat de désendettement et de développement, C2D. Ces restitutions organisées les 25 et 26 avril et le 5 mai 2023 ont vu la participation de plus d'une centaine de personnes, représentants des filières agricoles, autorités de régulation, structures de développement, centres de recherche, autorités administratives et politiques, coordonnateurs et bénéficiaires des projets financés par le FSIAD. L'objectif des ateliers était de présenter les résultats pertinents et les acquis vulgarisables des projets innovants sélectionnés et financés par le FSIAD depuis son lancement en 2017. Ces projets FSIAD ont été mis en œuvre par 22 structures nationales et internationales et ont concerné 19 000 bénéficiaires de 24 chaînes de valeur agricole, animale, halieutique et forestière. La première étape de ces ateliers s'est tenue à Korogo. Le professeur Kwaku Tano de l'Université Nangui Abrogwa, UNA, coordinateur du projet « Utilisation du panier roulant », une innovation pour la collecte des noix de karité en Côte d'Ivoire, témoigne des avantages de l'utilisation de cette technologie pour les collectrices de karité. L'objectif global donc de ce projet, c'est de réduire la pénibilité du travail de ramassage des noix de karité. Nous savons qu'au niveau donc, de la collecte de noix de karité, ce travail est effectué à 99% par les femmes. Et l'introduction, bien sûr, de cette innovation va permettre donc, d'alléger le travail des femmes et de leur permettre de ramasser beaucoup plus de noix et ensuite, bien sûr, d'augmenter leurs revenus. Le panier roulant, c'est au-delà de nos attentes. Parce qu'il faut le dire qu'auparavant, il fallait aller ramasser les noix de karité avec la main. C'est levé très tôt. Et souvent, c'était des morsures l'année passée où on n'avait pas encore les paniers roulants. Quand on allait ramasser, il y avait les morsures de scorpions. Et moi-même, quand on finissait de ramasser ces, comment on appelle, les insectes, tu vois, j'avais les doigts qui étaient tout le temps enflés. Et c'était vraiment très pénible. Il fallait s'abaisser, ramasser un à un. Sous les feuillages, ce n'est pas facile. Mais avec le panier roulant, on arrive à capitaliser. C'est-à-dire tous les grains d'amande, même cachés sous les feuilles mortes, on arrive à tout ramasser. Depuis que le panier roulant est rentré dans notre activité, on a eu 100% de bénéfices. Les producteurs de mangue du pays ont également bénéficié de nouvelles technologies pour optimiser leur production et neutraliser certaines maladies et ravageurs. Il existe des produits développés au niveau de l'université Fleury-Sous-Bagny qui ont la capacité de protéger leurs vergers contre certaines maladies comme l'anthracnose, la bactériose et le scab. 90 à 100% des producteurs, leurs vergers sont malades, mais ils ne savent pas. Tout le bouton rouge que vous voyez sur vos feuilles de mangue, là, c'est la maladie. Mais quand ils font le traitement, une fois que les feuilles sont jolies, les fruits qui vont sortir aussi sont belles. Donc voilà le constat. En tout, une dizaine de projets ont été mis en œuvre dans la zone nord de la Côte d'Ivoire au profit de spéculations comme la mangue, le coton, l'anacarde, la pistache, le karité, etc. Le FSIAD est axé sur le financement de projets de démonstration d'innovation dans les domaines de l'agriculture, l'élevage, la pêche et la foresterie en Côte d'Ivoire et portant sur 5 thématiques, à savoir la gestion durable de la fertilité des sols, la gestion efficace de l'eau, la mise au point d'itinéraires techniques innovants assurant la protection de l'environnement, la lutte contre les maladies à parasites, à virus ou les insectes nuisibles, et enfin, l'amélioration de la qualité des produits et la bonne gestion des intrants. Le FSIAD a sélectionné 44 projets sur 317 qu'on a reçus. Les principaux critères de sélection, c'est que, dans un premier temps, il faut que ça soit une innovation. Ensuite, il faut que ça soit soutenu par des bénéficiaires. Donc, dans le dossier qu'ils nous présentent, ils démontrent que c'est une innovation et ils apportent une preuve aussi qu'ils sont soutenus par les filières dans lesquelles ils veulent faire les démonstrations. La deuxième étape des restitutions s'est déroulée dans la ville de Yamoussoukro. Une quarantaine de bénéficiaires ont présenté leurs résultats devant les autorités compétentes.
Les innovations partagées portaient sur des spéculations alimentaires, riz, bananes plantains, silure et tilapia. Madame Aminata Ouattara, bénéficiaire du projet de transfert de la technologie d'étuvage amélioré du riz, GEM, mise en œuvre par le Centre national de recherche agronomique, CNRA, nous en parle. Le matériel GEM sert à étuver le riz. Avant, nous utilisions les grosses marmites ou les barriques pour étuver le riz. Mais aujourd'hui, ce matériel-là nous permet de tremper le riz sans être fatigué, d'étuver le riz sans subir la chaleur. Aujourd'hui, quand le riz étuvé, qu'on appelle communément le malousu, d'avant, à la manière traditionnelle, et le riz étuvé dans le matériel GEM, il y a une très grande différence. Parce que déjà, les pratiques même ne sont même pas les mêmes. Africa Rice nous a formés à travers ce projet. Donc, déjà, du côté hygiénique, le riz étuvé du matériel GEM est très hygiénique. Mais aujourd'hui, nous étuvons toute variété de riz. Le Vita 9 et le Boaké, y compris JT 11, tout ça, on étuve tout. Et ça garde la forme principale. Les grains sont toujours fins. Le bloc alimentaire pour l'amélioration de la productivité du tilapia en grossissement est une autre innovation du CNRA. Constitué à 90% d'aliments et à 10% de liants, il s'agit d'une solution nouvelle pour les pisciculteurs qui ne connaissaient que les formes farineuses et granulées. Ce projet consistait à donner aux pisciculteurs une forme de présentation de l'aliment qui réduirait leur pénibilité. Parce que le bloc alimentaire, ce n'est pas un autre aliment, c'est une forme de présentation de l'aliment qui, à donner aux pisciculteurs, peut leur servir à élever leur poisson facilement. Puisque avant, on distribuait l'aliment à la volée. Et avec le bloc, tu déposes ça le matin et tu en as fini pour toute la journée. Cette technologie favorise une amélioration de la productivité du tilapia, permettant d'atteindre désormais un poids marchand à seulement 5 et 6 mois, contre 8 à 9 mois auparavant. Toutes choses qui permettent d'obtenir deux cycles de production dans l'année. Le directeur régional du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement Rural de Yamoussoukro, a exprimé sa satisfaction au regard des différents résultats présentés au cours de l'atelier, notamment l'amélioration de la qualité du silure dans la filière piscicole, mise en œuvre par l'AISA, l'association Riziculture-Pisciculture, par la technique de juxtaposition de l'étang piscicole et du casier rizicole, portée par l'ANADER, ou la diffusion d'une technologie de valorisation des bananes plantains trop mûres en semoule, promue par des chercheurs de l'UNA. Si ce dispositif n'avait pas existé, il fallait le créer. Parce que toutes ces innovations pour lesquelles nous sommes en train de faire le point au niveau des résultats sont vraiment des innovations encourageantes et nous pensons que c'est vraiment bienvenu qu'il faille vraiment dupliquer tout ce système. La ville d'Abidjan a abrité la troisième et dernière étape de cette série d'ateliers. À cet effet, les structures partenaires et les bénéficiaires du projet se sont donné rendez-vous à l'auditorium du FIRCA. Des filières dites mineures ont pu bénéficier du projet innovant. Et c'est très important de le signaler. Parce que avec ce dispositif que nous avons mis en place, des filières qui étaient qualifiées d'émergentes ont pu quand même bénéficier d'innovation et la valeur ajoutée est certaine. Ces financements, les structures bénéficiaires les ont utilisés à bon escient. Je dirais que le bilan du projet FCA est un bilan satisfaisant parce qu'aujourd'hui, le Tubeco est connu par le plus grand producteur de presque tous les bénéficiaires du projet FCA dans des différentes zones où le projet a été implémenté, notamment Irobo, Divo Maferré et Kofi Kro, car le compost produit à base de Cubeco a été utilisé pour la croissance des plantes, a été testé sur les différents stades de développement des pépinières des palmiers à huile et cela a donné des résultats vraiment satisfaisants. Nous avons eu de très bons résultats. D'abord, les aliments que nous avons testés sur les éleveurs
ont permis donc d'améliorer la vitesse de croissance des animaux. Donc ça réduit le temps d'engraissement de moitié. Ça a permis d'améliorer la productivité numérique, donc le nombre d'animaux donc engraissés par femelle reproductrice par an. Et aujourd'hui, nous avons une vingtaine d'éleveurs après le projet qui continue d'utiliser ces aliments dans leurs élevages. Le FSIAD est inscrit au programme filière agricole durable de Côte d'Ivoire, FADSI, qui intervient dans le cadre de la deuxième phase du contrat de désendettement et de développement C2D. Grâce à ce projet, des filières dites mineures, comme la pistache ou le karité, et des productions animales telles que l'olacode ou le silure, ont bénéficié de projets innovants satisfaisants, comme le témoigne M. Indri Kouadio-Pierre, coordonnateur de l'unité de coordination du FADSI. Les 44 projets qui ont été financés ont donné des résultats, je dirais, assez probants. Et ces résultats méritent d'être diffusés. Nous avons vu là des opportunités de création d'emplois, des opportunités d'amélioration du revenu des producteurs. Notons que d'ici 2040, la démographie de la Côte d'Ivoire aura dépassé la barre des 50 millions d'habitants. Il est donc nécessaire que l'agriculture ivoirienne puisse anticiper cette rapide évolution et y répondre par une production alimentaire suffisante et diversifiée. C'est pourquoi, dans un contexte difficile, singulièrement marqué par la réduction des terres arables disponibles, vulgariser des méthodes de production novatrices, durables et responsables sur le plan social, comme celles promues par le FIRCA à travers le FSIAD, est primordial. Nous sommes le FIRCA.